chers amis que notre seigneur jésus-christ soit loué soit béni pour nous avoir permis d'avoir ce moment de réflexion bienvenue donc à vous et que dieu vous garde nous prions notre père notre dieu nous te louons nous te bénissons pour ce moment béni où nous allons étudier ta parole notamment le psaume 23 que tu puisses vraiment nous éclairer par ton esprit que nous ayons une bonne compréhension de ta parole et développer une confiance totale en toi toi qui es notre grand berger. Alors garde-nous en ce moment, garde ta parole au nom de Jésus. Amen. Notre sujet du jour, lieu du voyage. Chers amis, en introduction, j'aimerais vous dire que la personne de Jésus remplit les psaumes 22, 23 et 24. Psaumes qui forment un tout, comme on l'a souvent remarqué. Tous trois nous occupent de Christ. Chacun nous le présente sous un caractère particulier. Dans le psaume 22, par exemple, Jésus c'est le Sauveur. Dans le psaume 23, Jésus c'est le Berger. Et dans le psaume 24, Jésus le Roi de gloire. Donc, nous pouvons définir les choses ainsi. Le psaume 22, c'est hier. Le psaume 23, aujourd'hui. Le psaume 24, demain. Alléluia. Lisons le psaume 23, verset 3. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mes amis, imaginez les sentiers de la justice. Qui s'étendent devant nous au loin. Vous ne pouvez pas voir la fin, mais vous savez qu'à la fin du voyage se trouve une maison, la maison de Dieu. Au fur et à mesure que vous vous concentrez un peu pour voir de plus près, voyez-vous là où les chemins mènent Vous pouvez voir clairement certains endroits, mais d'autres parties sont totalement obstruées par des obstacles importants ou même dangereux. Parfois, le chemin disparaît au-dessus d'une crête. Certaines parties du chemin sont faciles à parcourir, d'autres sont difficiles. C'était exactement ainsi quand Israël voyageait de l'Égypte à la terre promise, et cela est décrit de la même manière dans ce psaume. En lisant le psaume 23, nous sommes invités à identifier les endroits par lesquels David voit les brebis passer lorsqu'elles suivent les sentiers de la justice, alors qu'elles se dirigent vers la maison du Seigneur. Cette invitation est suivie par une question. Mais alors, pourquoi ces chemins sont-ils appelés sentiers de la justice? Voici quatre raisons importantes. Tout d'abord, ce sont de bons chemins parce qu'ils mènent à la bonne destination, la maison du berger. Deuxièmement, ce sont de bons chemins parce qu'ils nous maintiennent en harmonie avec la bonne personne, le berger lui-même. Troisièmement, ce sont de bons chemins parce qu'il nous forme à être de bonnes personnes, comme le berger qui nous conduit. Quatrièmement, ce sont de bons chemins, parce qu'il nous donne le bon témoignage. En devenant de bonnes personnes, nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce sont des sentiers justes, ou des sentiers de la justice, que ce soit facile ou difficile. Il est important de noter que lorsque Dieu nous conduit, ce n'est pas simplement pour livrer un colis à destination, c'est bien plus que l'orientation et la protection, tout comme dans les nombreux exemples tout au long de la Bible dans lesquels Dieu conduisait son peuple exemple quand il dirige donc Abraham par ses promesses ou conduisent Israël par la colonne de feu et la nuée. quand Dieu guide, il s'agit toujours de donner sa formation à son peuple dans la justice amen. Deux questions. Dans quelle mesure êtes-vous conscient que la justice est la priorité du berger pour votre vie Comment les épreuves peuvent-elles changer votre vie afin que vous puissiez mieux refléter le caractère de Jésus-Christ Que l'Esprit du Seigneur vous accompagne personnellement dans votre réflexion. Le Psaume 23, verset 3 dit ⁇ Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ⁇ il y a également trois choses à relever dans ce verset. Premièrement, il restaure mon âme. Deuxièmement, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et troisièmement, à cause de son nom. Il restaure mon âme. Littéralement, cela signifie il fait revenir mon âme. Le mot hébreu shob signifie revenir. Ramener, restaurer, rafraîchir, réparer, conduire au loin d'une manière séduisante, c'est-à-dire conduire sur le chemin de la justice. Ce mot signifie aussi s'éloigner. Si Dieu me restaure, c'est parce que j'ai été abîmé auparavant. Maintenant, il veut m'éloigner de ce qui a été l'objet de ma déroute et il veut me conduire sur un chemin nouveau, le chemin de la justice, le chemin de la vie. Alléluia. Deuxièmement, les sentiers de la justice. Après avoir affirmé sa confiance absolue dans les soins du Seigneur, auxquels il appartient personnellement, le psalmiste justifie sa confiance en décrivant la qualité des soins du Seigneur. Le Seigneur est là, qui lui donne la tranquillité, la sérénité, la confiance, la joie et la paix de sa proximité, qui le conduit dans des sentiers de justice. Belle image qui évoque, mes amis, la marche de celui qui suit son Sauveur, qui suit son Berger et qui n'a pas peur. Troisièmement, il est dit accord de son nom. Le mot nom ici en hébreu sème signifie réputation, renommée ou encore gloire. La bonne réputation d'un Berger dépend du bien-être et de la santé de ses brebis, mes amis. La prospérité du troupeau honore son maître. Mais il faut que les brebis aient confiance en lui pour accepter aussi de se laisser conduire. Les brebis suivent le berger dont la voie leur est familière. Vous savez, à cette époque, le troupeau était jour après jour avec son berger. Il ne forçait jamais la marche, mais le conduisait à son rythme, en tenant compte de la lenteur des femelles pleines et des nouveau-nés. Vous savez, Dieu adopte la même attitude envers nous. Lisons Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il pètera son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Alléluia. La réputation, mes amis, la renommée de Dieu est en jeu dans ce conflit cosmique. Donc, dans son amour, Dieu a ce devoir de prendre soin de ses enfants, de manière à ce que l'univers est l'ennemi surtout. Ne puisse rien lui reprocher. Alléluia. En conclusion, le mécontentement, mes amis, la défiance proviennent de l'incrédulité et ont pour conséquence une marche incertaine et qui est vouée à l'échec. Alors je vous en supplie. Confions-nous donc avec simplicité de cœur à notre berger Jésus-Christ et écoutons sa voix à travers sa parole et son Esprit Saint qui vit en nous et qui a pour mission de nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Apprécions, chers amis, pleinement les soins du Seigneur, conscients que nous en sommes les bénéficiaires pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Chers amis, que Dieu vous garde et vous bénisse, qu'il continue de prendre soin de vous et à demain pour la suite de notre réflexion.